regarde le site de boxe, il le prend parce qu'il a du métier là-dessus. Ok, je vais voir des blocages que vous n'avez pas forcément vu en cours, c'est des blocages dits supérieurs, qui sont assez reptiliens. On n'a pas de gants. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre les mains le plus possible, vous y connaissez la diabule, le plus possible devant pour capter. Ça s'appelle des antennes. Ceux qui ne connaissent pas, il y a un style d'interne. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer des styles d'interne. On ne sait pas s'ils font. Ça s'appelle du H1. Vous connaissez H1? La H1? En fait, ça travaille avec des réflexes reptiliens. D'accord? Régulaire, reptilien, comme vous voulez. En fait, c'est qu'on chope à la source. Je suis avec des gants. Je suis sans gants. C'est mon cas. C'est deux choses différentes. Je suis avec des gants et moi une patate d'une couche, par exemple. Je vais faire comme ça avec des gants. Sans gants, je vais prendre dans la gueule. Bien d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas de gants, je vais tendre pour essayer de choper mes mains gauches à la source. D'accord? Donc je rentre mon menton, je me protège. Et si comme le taïkien, on retrouve et tout. En fait, je suis ici, dès que ça part, voilà. Je suis là. Il est au menton, voilà. Je vais même faire pas mal. Boum! C'est bon, bien avec. Donc, non mais là ça part, hein, c'est vendu, c'est dans le pack. T'as excuse-moi. Donc, je me protège bien. Ça rentre dans la tête direct. Hein. Donc, boum! J'écarte. Boum! Là, boum, dans la tête, ça part tout seul. Donc je vais doucement, ce qui est important, c'est le début. Je me protège bien là. Là, je m'ouvre. Ça. Ça, c'est KO, c'est KO, 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 KO. Ok? Vous avez vu? Je rentre, je cache. En fait, pour y arriver, c'est très simple. On va le faire là et après, on fera un exercice. Tu vas comprendre que, en fait, voilà, le punch-up, qui est le niveau. Basique qu'on voit, et dès qu'on passe d'un cran, vous voyez que c'est compliqué parce que vous n'avez pas encore les fondamentaux, c'est normal, hein. Vous passez par le même cap plus lourd, hein. C'est qu'à un moment donné, il faut passer au-dessus, et c'est là qu'en fait, il faut être capable de bien travailler avec les bons appuis. Sinon, ça veut dire que je suis chiant sur les fondamentaux, et si on les a pas, c'est pas possible. Le mec qui est ancré comme ça, il ne pourra pas rentrer. D'accord? Alors, c'est très simple en fait, ça vous paraît compliqué visuellement. Le truc, c'est avec cette main-là, comme quand on fait la technique ceinture au rond, vous connaissez celle-là. Et bien c'est la même chose, vous allez comme en boxe, ramener à l'intérieur. Sauf que le problème c'est qu'on met une patate de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se couvre avec le coude. Donc je vais rentrer à l'intérieur et là je vais me protéger comme ça, si mes patates je vais ouvrir. D'accord? C'est pour ça qu'on fait ça, on reste pas comme ça. Hein. Donc dès que je vais être là, je vais couvrir mon menton, voilà. Et je vais rentrer pour déranger. Mais là je vais au ralenti, quand ça va très très vite. Quand vous êtes là, c'est... Enfin c'est déjà parti. Hein. Là, je suis pas à fond, hein, mais ça va très très vite. Hein. Dès que vous êtes protégé, c'est... Et c'est parti. Là, je suis mauvais. Mais ça, c'est 40. Dès que vous touchez là, de toute façon, c'est 40. D'accord? Parce que là, vous avez un air. Ici, il y a un air. Voilà. Tiens, parce qu'il va tomber. Ici. Juste là. Dès que vous touchez, cela, c'est pas du tout. Donc, vous êtes là, vous allez à l'intérieur. Maintenant, on va faire l'autre côté. C'est encore plus simple. J'ai commencé par le coup sur une croix. Maintenant, reste en garde. C'est très simple parce que ma main est déjà devant. Donc, je vais pousser. Regardez bien. Je vais pousser, cacher et frapper. C'est simple. C'est cette main-là qui frappe. Je suis là. Je suis à l'intérieur. Boum ! Boum ! Imaginez. Moi, j'ai imaginé. Donc là. Toujours dérangé. Regardez bien, ça ne manque qu'à partir. Vous essayez de faire ça, donc c'est ça, vous prenez le bras qui est devant, on ramène, on cache. Et il a dit ça. Ah, la tête. Ah, allez-y.